Et déjà, par avance, un grand merci à l'équipe des deux traductrices qui nous accompagnent ce matin. Donc, remarque liminaire rapide, c'est juste pour vous dire que ce webinaire s'inscrit dans un focus que le Bureau de coopération universitaire, avec Campus France et Allemagne qui en fait partie, sur les formations artistiques supérieures qui ne comprennent donc pas seulement les écoles d'art, puisqu'en Allemagne, notamment, quelques formations comme le design ou l'architecture peuvent être enseignées et le sont d'ailleurs le plus souvent au sein d'universités classiques, universités techniques ou universités de sciences appliquées. Donc c'est pour donc ce focus s'inscrit en fait dans le cadre d'une politique qui est menée depuis 2019 mais qui avait été déjà un peu gelée, qui avait été un peu gelée du fait de la pandémie. Qu'avait initié ma prédécesseur et qui avait débuté par l'organisation des premières rencontres franco-allemandes des formations artistiques supérieures et dont la deuxième édition aura lieu les 17 et 18 novembre prochains à Paris, au siège de Campus France. Vous avez sans doute reçu toutes les informations nécessaires pour vous inscrire si vous souhaitez vous y rendre. Parallèlement à ces rencontres, nous avons mis en place deux dispositifs. Donc, l'un est donc ce webinaire de ce matin pour justement permettre et vous donner des outils de financement pour améliorer les coopérations et les échanges universitaires et la mobilité étudiante dans ce secteur des formations artistiques supérieures. Et par ailleurs, nous avions lancé il y a début août, nous l'avons clos il y a pas tout à fait un mois, un appel à projet pilote, justement, dit masterclass, visant justement à permettre des rencontres, des séminaires franco-allemands dans ces matières, ces formations artistiques. Et séminaires qui devaient justement préfigurer et permettre d'initier ou de voir de renforcer des coopérations entre établissements français et allemands, car notre constat qui est global et partagé entre les organismes qui sont représentés ici ce matin, que ce soit le DAD, l'Université franco-allemande ou l'Office franco-allemand pour la jeunesse, y compris très certainement Erasmus, c'est que dans le cadre de ces filières des formations artistiques supérieures, il y a pas mal d'échanges et de mobilité d'étudiants, mais que celles-ci sont encore trop peu structurées et trop peu régulières. Donc, c'était à cet objectif que nous nous employons et dans le cadre duquel s'inscrit donc ce webinaire. Donc, assez parlé pour ma part, je vais tout de suite céder la parole à Wolfgang Gehring du DAD, qui se présentera et qui vous présentera les dispositifs d'accompagnement du DAD que vous pourrez utiliser. Wolfgang? Wunderbar. Dankeschön, Bernhard, für die Einleitung und die Überleitung. Ich werde auf Deutsch reden. Ich hoffe, dass Parler en es allemand et j'espère vraiment que les interprètes en seront d'accord parce que, comme j'ai déjà mentionné, je me sens un peu mal parce que j'ai été bénéficiaire d'Erasmus au début des années 90, qui a passé un très beau temps à Aix-en-Provence. Mais comment est-ce que je peux m'exprimer il y a longtemps? Je suis contente d'être parmi vous et je vais brièvement présenter le DAAD, l'Office allemand d'échange universitaire. Est-ce que vous voyez mon écran partagé? Oui, il semble que ça marche bien. Je représente le DAAD et je pense que le DAAD sera bien connu
comme la plus grande organisation mondiale de promotion d'échanges internationaux. Et ce qui me semble important, côté droit, nicht nur juristische Spitzfindigkeit, sondern es geht mir darum zu sagen, dass die deutschen Hochschulen, die Hochschulvertreter, die Professorinnen und Professoren für uns den sehr, sehr wichtigen Teil übernehmen, nämlich die gutachterliche Bewertung aller ihrer Anträge. Und ihre Anträge, sage ich jetzt bewusst ins Publikum rein, wenn sie sich dann nämlich für Stipendien oder andere Fördermöglichkeiten das DRD bewerben wollen. Ja, wir nennen uns ein erfahrener Mittler zwischen den Hochschulsystemen weltweit. Das ist klar, dass wir hier versuchen, sehr viel stärker und über die individuelle Mobilität hinaus reinzuwirken. Und wir sind auch die nationale Agentur für Erasmus. Das heißt, die Programme, die Brüssel zur Verfügung stellt, wie Erasmus, was die Outgoings aus deutscher Perspektive angehen, die sind als nationale Agentur auch im DRD angesiedelt. Die Ziele, die der DRD verfolgt, sind natürlich Exzellenz im internationalen Wissenschaftsaustausch. Und normalerweise gehe ich über diese Punkte relativ entspannt hinweg, weil ich immer denke, das ist selbstverständlich. Seit einiger Zeit, glaube ich, internationale Zusammenarbeit zu fördern, globale Verantwortung zu übernehmen und zu Entwicklung und Frieden beizutragen, sind leider wieder Themen, die an Aktualität gewonnen haben. Leider. Und ich denke, der DRD ist fast noch mehr als in den vergangenen 30 Jahren gefordert, hier seinen Beitrag über vielfältige Fördermöglichkeiten zu leisten. Hier ganz kurz die Zahlen, was wir alles machen. Das ist so. Brièvement les chiffres, ce qu'on fait, donc surtout dans le contexte allemand-français et déjà dans le contexte des événements en vue à venir. J'aimerais bien souligner que le DAD a une antenne à Paris qui normalement aurait participé à l'organisation de cet événement, mais si vous nous écoutez depuis la France, ils sont à votre disposition. Et ils sont responsables pour l'échange franco-allemand de la perspective du DAD. Nous avons, et on en est fiers, plus de 100 000 bénéficiaires, soit venant d'Allemagne, soit venant de l'étranger, à travers toutes les disciplines, tous les niveaux de qualification et auxquels s'ajoutent encore le plus de 30 000 bénéficiaires étudiants qui sont soutenus dans le cadre d'un échange d'un séjour Erasmus à l'étranger. Si nous regardons les bénéficiaires selon leur discipline, nous, aujourd'hui, on veut mettre le focus sur les arts. En fait, en Allemagne, il y a les écoles supérieures d'art, mais il y a d'autres disciplines qu'on peut regrouper sous les arts. Donc, dans les universités dites normales et les universités de sciences appliquées. On m'a donné les chiffres pour l'art proprement dit, donc les beaux-arts, ainsi que le design et le film, et tout ce qui est théâtre, régie, dramaturgie. Et vous voyez, les chiffres ne sont pas si élevés. On pense qu'on a en moyenne un peu plus d'une centaine de bénéficiaires venant de l'étranger et un peu moins de bénéficiaires allemands. Il faut souligner qu'il n'y a pas de quotas fixés dans le DAD, mais nous, on accorde les bourses
sur la base du moment de l'entrée de la candidature. Parce qu'un événement comme le nôtre aujourd'hui est d'autant plus important parce que, en dépendance du nombre des candidats, on aura un numéro augmentant de nombre de bourses à concorder. Si on regarde l'échange avec la France, on note qu'il y a très peu de candidatures. Donc, dans le domaine d'art, les personnes venant de l'étranger, indépendamment de la situation financière actuelle, nous avons très peu de choix. Donc, d'habitude, on est dans un quota de 1 à 10. Pour les Allemands, il y a une meilleure relation pour le choix. Donc, on peut partir du fait que probablement il y aura 3 sur 5 qui auront leur bourse. Ce qui est beaucoup plus important, c'est où est-ce qu'on peut trouver nos appels au projet. Je vous donne ces deux liens, www.auslandsstipendien avec un S seulement, c'est pour les Allemands qui veulent partir en l'étranger. Et l'autre lien est pour les personnes en étranger qui veulent faire un séjour en Allemagne. Je veux vous montrer directement la base de données des bourses. Est-ce que vous pouvez le voir? Oui. Donc, vous voyez ici les différentes possibilités de bourses sous le lien Auslandsstipendien. Stichwort oder Programmtitel einfach Kunst reingeben, finden Sie für die Deutschen die Möglichkeiten, die wir anbieten, um einen Studienaufenthalt im Bereich im Ausland zu machen. Achtung, wir haben jetzt einfach mal drauf, Stipendien für Studierende im Fachbereich Bildende Kunst, Design und Film. Und hier gibt es die Möglichkeit der Undergrad-Förderung. Das heißt, Sie können als Student, auch im Bachelor, auch im Diplom, was es teilweise auch gibt, sich bei uns ein Stipendium beantragen. Oder wenn Sie bereits eben einen ersten Abschluss absolviert haben. Eigentlich, und da kann man jetzt so ein bisschen durchklicken, könnte man über jeder dieser Reiter hier sprechen, wie das Bewerbungsverfahren erfolgt, was alles notwendig ist. Ich würde hier sagen, im engeren Bereich der Kunst, bildende Kunst, Film und Design, gibt es natürlich ein Antragsverfahren. Auch der DRD hat seine Bürokratie und das ist notwendig. Aber für Sie als potenziell interessierte Antragstellerinnen, sowohl von der deutschen wie auch von der ausländischen Seite her, zentraler Faktor für eine erfolgreiche Bewerbung in diesem Programm. Und ich rede bei den Ausländern von einer 1:10 Auswahlrelation, bei den Deutschen eine Auswahlrelation 1:3. Zentraler Faktor ist das Portfolio, das Sie einreichen müssen. Die Professorinnen und Professoren von deutschen Kunsthochschulen, die hier dieses Auswahlverfahren für den DRD durchführen, interessiert sehr wenig, ob sie die entsprechenden Sprachkenntnisse haben, ob sie einen orthografisch fehlerfreien Lebenslauf in Deutsch, Englisch oder Französisch eingereicht haben, sondern was sie interessiert ist, was bringen sie künstlerisch mit. In a nutshell, es geht wirklich darum, dass sie ein Portfolio, das bestimmten Kriterien entsprechen muss, nicht zu viel, nicht zu wenig, vorbereitet haben und uns zur Verfügung stellen. Und auch wenn sich das zumindest aus meiner Perspektive im Laufe der Jahre ganz normal eigentlich selbsterklärend ist, gibt es immer wieder Bewerber, die nicht unterschiedliche Bereiche der Kunst, was sie bisher durchlaufen haben, abdecken, deren Werke nicht eine Entwicklung deutlich machen bis zur Aktualität hin, sondern die sich immer darauf beschränken,
irgendetwas zu präsentieren, sei es eine Videoinstallation mit einem ausführlichen theoretischen Text und damit eben einer Kommission nicht deutlich machen, dass sie kreativ in der Bandbreite aufgestellt sind. Also das hier, würde ich jetzt mal sagen, ist für studentische Bewerber, Deutsche wie Ausländer, das zentrale Element, wer sich im Bereich bildende Kunst, Design oder Film bewerben möchte. Immer nur Ausschnitte, aber das ganze Oeuvre, die ganze Bandbreite dessen, was man bisher gemacht hat, darstellen, weil es geht um die kreativen Elemente, die sie mitbringen. Das wäre jetzt die Stipendiendatenbank für Deutsche. Wir können dann auch ganz kurz hier wechseln zur Stipendiendatenbank für Ausländer. Moment, ich gehe jetzt einfach mal kurz. Der Dings ist da jetzt bei mir oben abgestellt. Wo habe ich die Leiste? Kann ich runternehmen? Wir nehmen Ergebnisliste für Studienstipendien Ausländer. Das haben Sie sowohl in deutscher Sprache als auch in englischer Sprache, dass Sie sich hier genauso durchklicken können. Und hier bei den Ausländern, bei Ihnen als Franzosen, ist festzustellen, dass Sie bereits einen ersten Hochschulabschluss in Ihrem Fachbereich absolviert haben müssen, um sich als der DAD-Fonds als Graduierte in einem Master oder Bereich oder Meisterschülerklasse zu bewerben. Das sind die zwei großen und wichtigen Programme, die wir für Sie haben als studentische Bewerber. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit und würde ganz schnell runtergehen auf die Dozenten oder hochgehen oder runtergehen auf die Dozentenebene. Da bin ich der französischen Botschaft sehr dankbar, dass wir ebenso Förderungen ausländischer Gastdozenten zu Lehrtätigkeiten an deutschen Hochschulen anbieten. Da gibt es leider keinen direkten Shortcut. Nein, doch, da gibt es den direkten Shortcut dazu. Lassen Sie mich mal gerade ausprobieren. DAD.de/Gastdozenten. Ja, da kommen Sie drauf. Ausländische Gastdozenten, also Sie, wenn Sie dann selber Hochschullehrer sind, können auch mit einer DAD-Förderung und tatkräftiger Unterstützung der französischen Botschaft und der Mittel der französischen Seite zu einem Lehraufenthalt nach Deutschland kommen. Das ist alles hier dargestellt. Das geht im Regelfall, wenn ich es knapp mache, zwischen 3 und 12 Monate, was man machen kann. Die spezielle Linie für die französischen Gastdozenten bezieht sich auf 3 bis 6 Monate. Hier finanziert die französische Seite einen Ersatzdozenten weiter an der französischen Heimathochschule, was ja, denke ich, auch für Sie dann von Relevanz ist. Man freut sich zwar selber, dass man an einer deutschen Hochschule unterrichten kann, aber auf der anderen Seite muss man natürlich seine Heimathochschule im Blick haben und hier arbeiten DAD und französische Botschaft eng zusammen. Was die Mittellage angeht, das ist ja von den Auswahlrelationen deutlich besser. Und hier würden wir uns sogar, Bernhard, ich spreche da ganz gleich in deinem Sinne, würden uns sogar freuen, wenn wir mehr Anträge haben. Die Kollegin hatte mir gerade vorher noch gesagt, die Auswahlrelationen für den einen Gastdozenten aus Frankreich in der Linie der Franzosen, ich kann einfach mal hierher gehen, das können Sie alles unter Download sich dann runterladen, Betrag 1:1, da gab es einen Antrag und wir haben uns gefreut, dass wir ihn fördern konnten. In der allgemeinen Linie des DRD, Filet-Solé, da gibt es ein bisschen mehr Geld und einen längeren Aufenthalt, da gibt es auch Sachmittel und so weiter, aber es ist immer noch eine Auswahlrelation derzeit zu verzeichnen von 1:2, das heißt, jeder zweite Antrag hat gute Chancen, gefördert zu werden. Da würde ich auch sagen, es lohnt sich, den nicht unerheblichen Aufwand zu betreiben, einen Antrag zu stellen. Allez-y. Ganz kurz und wahrscheinlich von der Dramaturgie her nicht gut. Es gibt die Gegenschiene auch der deutschen Professorinnen und Professoren, die in dem sogenannten Kurz- und Langzeitdozentenprogramm mit der Kurzzeitdozentur vor allem ins Ausland gehen können. Zentral hier ist einfach der Aspekt, dass wir aufgrund aktueller
Mittelrestriktionen diese Programmschiene bis auf Weiteres aussetzen mussten. Wenn das dann wieder anläuft für die deutschen Interessenten, wir können ja sicherlich nachher noch in der Fragerunde darüber reden. Ich hoffe, ich bin einigermaßen in der Zeit geblieben. Ich hoffe, es war ein bisschen verständlich und auch für die Simultan-Dolmetscherinnen nicht zu schnell. Merci beaucoup. La prochaine fois peut-être en français, mais pour l'instant war mir das doch auf Deutsch lieber. Vielen, vielen Dank, Wolfgang. Ich muss mal wieder rausgehen, aus dem Bildschirm teilen. Je passe donc la parole à Jérémy Rossignol de l'OFAGE. Bin ich draußen aus dem Bildschirm teilen? Oui. Je suis en train d'afficher la présentation. Un instant. Excusez-moi, je coupe, j'avais mis la traduction pour en même temps, donc je la coupe pour éviter d'avoir l'écho. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfait. Donc je vais lancer la présentation. Bonjour à toutes et tous, ravi de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle donc Jérémy Rossignol, je suis responsable adjoint à l'OFAGE, donc l'Office franco-allemand pour la jeunesse, du bureau qui est particulièrement en charge donc, des échanges universitaires, du volontariat franco-allemand et de la formation professionnelle. J'ai deux collègues aussi qui sont présentes aujourd'hui et en charge notamment des programmes dans le secteur de l'universitaire et de l'enseignement genau, supérieur. Nous nous bewegons also im Bereich der Fachhochschulen, der Universitäten. Und ich grüße hier auch Michaela Christmann, meine Kollegin. Und ich möchte jetzt nur mal ganz kurz das deutsch-französische Jugendwerk vorstellen. Enseignement supérieur, puisque l'OFAGE couvre en réalité un champ extrêmement large de public, puisque notre mission, c'est de soutenir des échanges et des rencontres de jeunes pour un public qui va de 3 à 30 ans. Donc, ça concerne aussi bien les jeunes élèves que les jeunes en formation professionnelle, les apprentis, les jeunes étudiants, étudiantes, les jeunes aussi déjà entrés dans la vie active, qu'on appelle les jeunes professionnels, ou les jeunes qui sont sur le point d'y rentrer. Et puis, nous soutenons aussi, dans une certaine mesure, des échanges de multiplicateurs, multiplicatrices, c'est-à-dire des personnels engagés dans des associations de jeunesse ou même des enseignants et enseignantes. Donc, un public extrêmement large avec, dans ce panel, aussi des offres spécifiques pour les jeunes étudiants et étudiantes. Donc, nous sommes en fait une organisation franco-allemande, parfaitement franco-allemande comme l'UFA. Nous avons donc le statut d'organisation internationale et nous avons été créés en 1963. Donc, nous fêtons d'ailleurs l'année prochaine, en 2023, nos 60 ans. Nous sommes répartis entre Paris, où se trouve le siège de l'organisation, Berlin, où nous avons aussi des bureaux, et Hazarbrück, à la frontière avec une petite antenne, où il y a une petite équipe de 3 personnes qui s'occupent en particulier du volontariat franco-allemand. Nous sommes pas loin d'une centaine d'agents, et voilà, nous travaillons dans les deux langues, nous sommes vraiment une organisation bilatérale intégrée. Nous avons touché depuis la création de l'OFAGE à peu près 9 millions de jeunes, en tout cas soutenu leur participation à des échanges, ce qui représente à peu près 300 000 projets. Et en temps normal, on va dire hors pandémie, nous soutenons pas loin de 200 000 jeunes par an, donc la moitié de Français, la moitié d'Allemands à peu près, dans des projets de rencontres ou de mobilité individuelle. Donc, ça, c'est vraiment dans les périodes glorieuses. Il est vrai que depuis 2 ans, nous avons accusé un recul hein, du nombre de jeunes en mobilité. Néanmoins, nous constatons cette année, en 2022, une forte reprise des échanges et nous en sommes vraiment très, très heureux. Nous ne sommes pas encore revenus au niveau de 2019, mais nous sommes en bonne voie. En tout cas, on constate vraiment une forte demande et une forte reprise des échanges. Donc, comme je vous disais, nous couvrons un champ extrêmement large. Moi, je voulais principalement me concentrer sur nos offres à destination plutôt du public étudiant ou éventuellement
de jeunes professionnels, donc ce que propose l'OFAGE plutôt dans le cadre de l'action du bureau 3, c'est-à-dire le bureau plutôt en charge de la formation professionnelle, des échanges universitaires et du volontariat que je représente. Donc ce qu'il faut savoir déjà pour l'ensemble des offres de programme, avant de passer spécifiquement à ce que nous proposons dans l'enseignement supérieur, c'est que pour la plupart des projets que nous soutenons ou des programmes que nous proposons, il n'y a pas de conditions particulières en termes de maîtrise de la langue. Les programmes et les projets, soit portés directement par l'OFAGE, soit financés par l'OFAGE, sont vraiment ouverts à tout type de public, quel que soit le niveau de langue. Concernant le volet formation professionnelle, échange universitaire, donc nous, le fil conducteur dans les projets que nous soutenons, c'est vraiment favoriser évidemment l'employabilité des jeunes à travers la mobilité, leur permettre d'acquérir des compétences dans le cadre de leur mobilité, puisque nous considérons qu'une mobilité pourrait être extrêmement utile dans le cadre de l'insertion professionnelle. Voilà, et donc nous soutenons dans ce cadre-là les publics souhaitant réaliser une mobilité plutôt, on va dire, à vocation professionnelle dans l'autre pays. Nous travaillons donc avec une grande diversité de partenaires dans le domaine de la formation professionnelle et des échanges universitaires. Vous avez quelques exemples ici, c'est extrêmement varié puisqu'il s'agit aussi bien d'établissements d'enseignement professionnel, technologique et agricole, que de missions locales, d'universités, de grandes écoles ou des institutions de financement comme les institutions par exemple aujourd'hui représentées. Je voulais donc peut-être mettre un peu le focus sur, on va dire, deux grands types de mobilité que nous soutenons et qui peuvent intéresser vos organisations. D'une part, les échanges qu'on appelle de groupe, les échanges collectifs, qui permettent donc à des groupes de jeunes Français et de jeunes Allemands de se rencontrer. Et puis, dans un deuxième temps, plutôt les dispositifs de mobilité individuelle, qui permettent soit des semestres d'études ou des mobilités à vocation professionnalisante comme des stages pratiques. Sur le volet d'échange de groupe, en fait, c'est vraiment le cœur de l'activité de l'OFAGE. C'est la plupart des projets que nous soutenons. Il s'agit en fait de rencontres de groupes qui permettent à des jeunes Français et des jeunes Allemands, voire avec un pays tiers parfois, de se rencontrer. Et au cœur de ces échanges-là, l'objectif poursuivi par l'OFAGE, c'est vraiment de permettre une rencontre interculturelle. C'est vraiment l'idée de soutenir une rencontre avec des jeunes des deux pays, en l'occurrence, par exemple, des jeunes étudiantes et étudiants. L'idée, c'est à chaque fois d'avoir un partenaire côté un français et côté allemand qui porte un projet que l'OFAGE peut soutenir. Donc, dans votre cas, par exemple, deux écoles d'art qui, ensemble, mènerait un projet qui permettrait la rencontre de jeunes. Ces projets-là, ils permettent, on va dire, deux grands types de formats que nous soutenons au bureau 3. C'est d'une part les séminaires universitaires plutôt de format assez classique, donc qui peuvent prendre la forme d'ateliers thématiques, d'universités d'été, de séminaires à thème, et qui sont portés par des universités ou des écoles d'art, par exemple, qui travaillent donc selon un principe vraiment de réciprocité. Ces programmes d'échange, comme la plupart des programmes de l'OFAGE, ils s'adressent prioritairement à un public âgé de moins de 31 ans au moment de la rencontre. Donc, on a d'une part, comme je le disais, les échanges de type séminaire universitaire, donc plutôt à l'attention d'étudiantes et étudiants, et d'autre part aussi des projets de rencontres collectives qui peuvent s'adresser aussi à des jeunes professionnels ou des jeunes qui sont sur le point de rentrer dans la vie professionnelle, par exemple des jeunes artistes, des jeunes musiciens, des jeunes en résidence artistique aussi. On soutient à l'OFAGE pas mal de projets d'échanges de jeunes en résidence artistique, notamment dans le cadre de résidences artistiques franco-allemandes. Les projets peuvent être aussi mixtes, par exemple, un projet qui regrouperait aussi bien des étudiants que des jeunes professionnels, en l'occurrence des jeunes artistes. On peut aussi porter des projets en format mixte, et dans ce cas, ça peut être d'un côté une association, de l'autre une école d'art qui travaille ensemble, toujours avec quand même la nécessité d'avoir un partenaire côté français, un partenaire côté allemand.
quel que soit le groupe cible, que ce soit des jeunes professionnels ou des étudiants, ou toujours un peu les mêmes grands principes que l'on a à l'OFAGE, c'est-à-dire que les rencontres durent de 2 à 21 jours, de 2 à 21 nuitées. Elles impliquent, comme je disais, un partenaire français-allemand. Elles peuvent avoir lieu soit au domicile du partenaire, soit dans un lieu tiers. Les deux sont possibles. Et dans ce cadre-là, nous pouvons financer les frais de voyage pour le déplacement des jeunes ou une partie du groupe, si c'est au domicile du partenaire, des frais de séjour en cas d'hébergement payant, et puis des frais de programme et aussi ce qu'on appelle les frais d'animation linguistique. Alors, les frais de programme, c'est une catégorie assez large qui peut regrouper le recours à des intervenants, de la traduction, de l'interprétariat, et on peut apporter un complément à ces frais de programme pour spécifiquement l'organisation d'animations linguistiques, qui sont des activités qui peuvent être mises en place par des animateurs de rencontres certifiés par l'OFAGE, qui ont une certaine maîtrise dans l'organisation de ce qu'on appelle les brise-glaces, les activités en tout cas qui permettent au groupe d'entrer en communication, même quand le niveau de langue n'est pas forcément très avancé de part et d'autre. Voilà, et un groupe chez nous, il s'agit en général de minimum 4 participants par groupe, donc minimum 2 Allemands, 2 Français. En général, on va bien au-delà. Pour faire simple, voici un peu en résumé les conditions d'éligibilité pour ces types de projets. Donc, la rencontre doit faire, comme je vous disais, au minimum 2 jours. Il doit y avoir idéalement une répartition équilibrée entre les participants français et allemands, même si on peut tolérer, par exemple, un équilibre 20%-80%. Actuellement, la demande doit être évidemment déposée avant le début du projet. Pour les rencontres de groupe, il n'y a pas de délai formel. Il faut que ce soit avant tout déposé avant le début du projet, même si on vous incite vraiment à déposer au moins 2 mois en amont de la rencontre si vous voulez avoir la certitude d'être financé dans le cadre de l'OFAGE. Et vous avez en bas les taux maximaux que nous appliquons par catégorie de dépenses. Donc, il y a un forfait pour les déplacements, il y a un forfait aussi pour l'hébergement qui est de 45 euros par jour. Et pour les frais de programme, on a une fourchette entre 375 et 625 euros par jour, avec la possibilité dans ces frais de programme d'avoir des compléments pour avoir le taux maximum, soit parce qu'il y a de l'animation linguistique, soit parce qu'on travaille par exemple avec des publics considérés comme ayant des besoins spécifiques. Nous, on les appelle les jeunes avec moins d'opportunités, même si ce n'est pas un terme très heureux. Donc ça, ce sont les grands principes. Là, les conditions que vous voyez, elles sont assez souples, puisqu'on a mis en place des dérogations à nos directives jusqu'à la fin 2023 pour inciter à la reprise des échanges dans un premier temps. Et puis, on se rend compte qu'actuellement, dans le contexte de forte inflation, que ces dérogations directives continuent d'être pertinentes, puisqu'on a effectivement augmenté nos taux de financement, par exemple, par rapport à 2019 depuis le début de la pandémie. Voilà, donc ces dérogations sont encore en vigueur jusqu'à fin 2023. Néanmoins, les taux que vous voyez là, ça reste des taux maximaux. Dans certains cas, on peut être amené à donner un peu moins en fonction du nombre de demandes ou du respect des critères qui sont fixés pour le projet. J'ajoute par ailleurs qu'on peut donc, au-delà des projets, financer aussi des projets en format trinationaux. Dans ce cas, impliquant des jeunes français et des jeunes allemands et un pays tiers. Pour ces projets de type trinational, on fixe la priorité pour les pays tiers aux pays d'Europe centrale et orientale, aux pays d'Europe du Sud-Est et aux pays éventuellement d'Europe qui seraient touchés par une crise spécifique. Voilà, typiquement, l'Ukraine, par exemple, rentrerait dans cette catégorie-là. Ces projets trinationaux, en général, ils se passent en 3 phases. Une phase de rencontre d'abord dans un pays, en France, en Allemagne, dans le deuxième pays et dans le troisième pays, dans le pays tiers. Actuellement, et ça c'est un point que j'ai oublié de citer précédemment, c'est que nous sommes beaucoup plus souples aussi sur les conditions de réciprocité dans les échanges, donc jusqu'à la fin de l'année 2023. Donc, il n'est pas nécessaire sur une année d'avoir forcément 2 phases de projet dans chaque pays,
quand c'est un projet franco-allemand, ou trois phases de projet quand c'est un projet trinational. On peut se contenter d'avoir dans un premier temps une première phase de projet dans l'année, soit en France, soit en Allemagne, ou en France ou en Allemagne quand c'est un projet trinational. Voilà, donc on a des conditions qui sont plutôt souples et ces formats de rencontres de groupe sont assez intéressants parce qu'ils permettent vraiment de mettre en place des projets assez divers. Et souvent, ça aide à toucher des publics qui ne sont pas forcément très sensibilisés à la culture ou à la langue du pays partenaire, qui ne maîtrisent pas forcément la langue, puisque c'est plutôt des mobilités de courte durée. Et ils permettent voilà, de mettre en place des formats très différents, très éclectiques, ce qui est plutôt intéressant pour souvent amorcer un début de coopération entre deux écoles ou une école et une association qui n'aurait pas une coopération très structurée jusqu'à présent. Nous avons aussi un type de financement forfaitaire d'un montant assez modeste, on va dire, qui s'appelle les projets 1, 2, 3, 4, où on peut obtenir un financement de 1234 euros pour un projet qui ne serait pas forcément une rencontre, qui ne reposerait pas forcément sur la réciprocité, mais qui a une dimension franco-allemande. Je pense par exemple à un projet de conférence qui aurait une dimension franco-allemande ou la réalisation d'une publication qui impliquerait des élèves. Dans ce cas-là, même s'il ne s'agit pas d'une rencontre, on peut apporter un financement forfaitaire voilà, si le contenu de la rencontre nous semble pertinent au regard des thèmes franco-allemands. Donc ça, c'est un peu les principaux outils que vous avez pour financer des séminaires ou des rencontres de groupe. On a aussi très régulièrement des appels à projets à l'OFAGE qui s'adressent majoritairement quand même à des projets collectifs. On a par exemple actuellement un appel à projet pour les rencontres numériques mixtes ou hybrides qui permet de financer des projets qui ne sont pas forcément des rencontres classiques avec de la mobilité ou en tout cas pas une rencontre classique avec une phase où l'ensemble du groupe se rencontre dans un même pays. Ça, c'est des formats de financement qui sont un peu souples et adaptés aux nouveaux formats de projet. Ça peut permettre, par exemple, d'avoir une phase de rencontre en amont et après, ou alors, par exemple, d'avoir deux groupes qui se rencontreraient, par exemple, à distance, mais qui travailleraient quand même de manière mononationale dans chaque pays. C'est des formats qui sont un peu plus souples et qu'on a essayé surtout de développer dans le contexte de pandémie, mais on se rend compte que ça continue à intéresser pas mal d'organisations de travailler de manière un peu plus souple et à distance. Nous avons aussi actuellement un appel à projet dédié aux 60 ans de l'OFAGE et du traité de l'Élysée qui vise à vraiment soutenir les projets innovants et qui mettent l'accent sur l'engagement et la participation des jeunes en traitant donc vraiment des thèmes plutôt orientés vers l'avenir qui concernent aussi les préoccupations des jeunes comme les conséquences de la pandémie, l'environnement et le climat, les valeurs démocratiques. Enfin, l'idée, c'est vraiment de soutenir des projets qui se détachent un peu de ce qu'on fait habituellement et qui mettent l'accent sur l'avenir de la relation franco-allemande. Avec deux catégories de financement, jusqu'à 3 000 euros pour les projets un peu modestes, plus modestes et jusqu'à 40 000 euros pour les projets un peu plus conséquents et structurants. Ça, c'est deux exemples d'appels à projets. On en a bien d'autres tout au long de l'année. On en a, par exemple, qui sont dédiés plutôt aux enjeux d'éducation citoyenne. On en a aussi sur le développement durable. Ce sont en général des appels à projets qui courent sur une année et qui ont un accent thématique un peu plus fort, mais qui visent avant tout des projets de rencontres collectifs. Pour finir, je voulais juste revenir rapidement sur les financements que nous avons aussi pour les mobilités individuelles. Nous avons notamment des bourses pour étudiants dans le domaine artistique qui s'adressent donc à des étudiants en école d'art des deux pays qui souhaiteraient réaliser un semestre d'études dans une école d'art de l'autre pays. Nous, à l'OFAGE, nous pouvons financer le semestre d'études de 2 à 5 mois. Il y a en général deux délais de dépôt de financement dans l'année, au 15 juillet pour le semestre d'hiver et au 15 décembre pour le semestre d'été. Et ce sont les établissements qui envoient les étudiants qui posent la demande. Il n'y a pas de conditions de partenariat spécifique entre les écoles
Voilà, ça peut, ça, vous pouvez aussi envoyer un étudiant sans forcément en recevoir un dans votre établissement, ce n'est pas un problème. Et dans ce cas-là, nous finançons des frais de voyage, comme souvent à l'OFAGE, et un soutien financier à hauteur environ de 300 euros par mois, qui peut être cumulable avec d'autres financements, dans une limite maximale de 1 000 euros de financement par mois accordé aux jeunes dans le cadre de sa mobilité. Et si on est près des 1 000 euros, l'OFAGE peut apporter un complément jusqu'à 1 000 euros, mais qui serait dans ce cas inférieur aux 300 euros qui représente en fait le taux plein. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà ce dispositif. Je ne reste pas plus longtemps dessus. Et nous avons un peu aussi dans le même esprit des bourses pour stages pratiques qui permettent à des jeunes, dans le cadre de leurs études, de réaliser un stage au sein d'une structure de l'autre pays. Là, on peut financer de 4 semaines à 3 mois de stage, même si le stage en soi peut durer plus longtemps. Nous, notre financement se limite à cette fourchette. Et là aussi, ce sont les établissements qui font la demande et on a les mêmes conditions d'attribution que pour les semestres d'études avec un plafond à 300 euros par mois, 1 000 euros en tout avec l'ensemble des aides pour la mobilité. Dans les deux cas, que ce soit pour les semestres d'études ou pour les stages pratiques, nous privilégions quand même les jeunes qui ont un profil, on va dire, jeune avec moins d'opportunités, c'est-à-dire des jeunes qui ont vraiment besoin du financement pour partir en mobilité. Dans ce cas, on leur demande de remplir une déclaration qui, comme quoi ils attestent sur le réel besoin de bénéficier de cette aide-là. Nous faisons ça parce que nous avons vraiment beaucoup de demandes pour ces bourses-là. Donc, nous sommes obligés de prioriser en fonction des besoins des jeunes. Un jeune qui serait, par exemple, boursier, par ailleurs, serait directement éligible à ce type de financement. Néanmoins, il n'est pas nécessaire d'avoir le statut de boursier. Il peut y avoir d'autres raisons qui justifient la nécessité du financement. Voilà, nous avons aussi, juste je l'évoque très rapidement, mais un système de conventionnement de stage hors cursus pour les jeunes qui souhaiteraient réaliser un stage pratique sans forcément avoir d'organisme de formation, ou en tout cas sans avoir de convention établie par l'université. Dans ce cas, l'OFAGE, en tant qu'organisme de formation, peut éditer une convention de stage bilingue, ce qui peut parfois débloquer certaines situations. Donc, il s'agit du programme Praxes qui peut être fort utile pour les stages hors cursus. Nous avons aussi un programme de volontariat franco-allemand dans l'enseignement supérieur et les établissements scolaires qui permet en fait d'accueillir des jeunes en volontariat pendant 10 mois. Et l'OFAGE s'occupe des formalités administratives. L'indemnité de volontariat est versée par l'Agence du service civique. Et l'OFAGE s'occupe de faire un premier recrutement des jeunes et de faire des propositions de candidats aux établissements qui souhaitent accueillir un volontaire sur une année, donc un volontaire qui viendrait de l'autre pays. C'est un programme intéressant parce qu'il permet vraiment de soutenir les équipes des établissements dans le développement de projets en lien avec l'Allemagne. Et puis en plus, l'OFAGE voilà, assure vraiment un accompagnement pédagogique et administratif dans le cadre du projet, ce qui facilite pardon, beaucoup l'accueil de volontaires internationaux. Ce n'est pas toujours évident pour une structure qui n'a pas forcément d'agrément de service civique ou l'équivalent allemand de lancer un tel projet. Voilà. Et puis, sans forcément aller dans le détail, je vous ai mis à la fin des slides un certain nombre d'exemples d'outils d'accompagnement de la rencontre, des rencontres ou des mobilités individuelles, comme par exemple les outils que nous disposons pour la reconnaissance des compétences acquises dans la mobilité. Nous avons aussi une plateforme d'apprentissage linguistique en vue des mobilités professionnalisantes. L'OFAGE a un secteur aussi formation interculturelle, recherche qui produit un certain nombre de publications, de glossaires aussi thématiques qui peuvent être utiles pour préparer une rencontre ou une mobilité individuelle. Donc, je les ai mis à la fin du PowerPoint qui ne semble pas continuer à défiler malheureusement, mais en tout cas, vous retrouverez pas mal d'exemples, donc notamment l'outil ACIAP qui permet de faire un,
une sorte d'évaluation des compétences avant la mobilité et après la mobilité individuelle et voir en quoi ça apportait beaucoup de compétences linguistiques, enfin surtout de compétences personnelles et professionnelles aux jeunes et d'autres outils plutôt orientés vers l'apprentissage linguistique, notamment Parcours qui permet via des tuteurs en ligne de se préparer en fonction du domaine d'activité professionnelle du point de vue linguistique. Donc, tout ça est à la fin du PowerPoint que j'imagine vous aurez aussi plus tard par mail. Voilà, je m'arrête là. J'ai peut-être déjà été trop long. Et en tout cas, je vous invite vraiment à consulter régulièrement notre site Internet pour regarder les appels d'offres qui sortent régulièrement tout au long de l'année et aussi vous abonner évidemment à notre newsletter qui est une mine très riche d'informations sur les différents programmes et financements. Merci Jérémy, on voit bien aussi l'utilisation que peuvent en faire les écoles d'art qui peut-être ont parfois moins de ressources administratives et toutes les opportunités de financement de individuel et collective. Je passe tout de suite la parole à Marjorie Berthomier, la secrétaire générale de l'Université franco-allemande. Donc nous restons dans le franco-allemand avant de rejoindre l'Europe comme couronnement. Oui, nous ne t'entendons pas pour le moment, Marjorie. Ça y est, voilà. Ça voilà. Super. Merci. Je suis en train de partager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez le partage d'écran. Et oui. J'espère que vous ne vous voyez pas sur le partage d'écran non plus que le chat. Non. Très bien. C'est parfait. Bon, on va pouvoir commencer à travailler. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup aussi pour les présentations précédentes que l'Université franco-allemande, des offres que l'Université franco-allemande vient compléter. On est un projet, une institution binationale qui est régie par un accord intergouvernemental qui nous a fondés en 97, donc nous avons 25 ans cette année, et qui, sur la base d'un financement paritaire des deux gouvernements français et allemand, nous donne comme mission de renforcer la coopération franco-allemande dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche, en soutenant la mobilité structurée et les possibilités de carrière internationale des étudiants et des jeunes chercheurs. Alors, peut-être pour préciser effectivement la spécificité que ça nous donne par rapport à peut-être mes prédécesseurs dans les présentations. Effectivement, c'est du soutien à la mobilité structurée, c'est-à-dire que ça va être la mobilité de cohortes ou d'étudiants, d'ailleurs de cohortes plus ou moins nombreuses, mais au sein de cursus qui se sont mis ensemble, qui se sont constitués, qui ont constitué ensemble leur programme pour former des étudiants et pouvoir leur délivrer un double diplôme ou un diplôme joint. Et l'offre que nous... Enfin, le travail que nous effectuons, l'évaluation que nous faisons des programmes qui nous sont proposés, qui doivent répondre à ce modèle et à cet objectif, nous le faisons aussi bien pour les étudiants que pour les jeunes chercheurs. Et je viens donc dans un instant vous présenter les différents programmes et instruments et la manière dont nous travaillons. Mais peut-être d'abord, vous voyez normalement sur cette diapositive quelques chiffres concernant d'une part nos établissements, donc 213 établissements d'enseignement supérieur à ce jour, parmi lesquels il y a d'ailleurs remarquablement peu d'écoles supérieures
supérieures d'art, mais tout de même quelques-unes, la Haute École des Arts du Rhin, par exemple, les conservatoires à rayonnement régional, Hochschule für Musik inzwischen, donc des établissements d'enseignement supérieur artistique, quelques-uns, on souhaiterait qu'ils soient plus nombreux. Peut-être juste un mot aussi sur ces différents établissements, ils sont évidemment majoritairement en France, en Allemagne, comme vous le voyez, un peu plus sur les bords de la frontière qu'à l'extrême nord-est de l'Allemagne ou à l'extrême sud-ouest de la France. Mais ce n'est pas une volonté de notre part. Nous souhaitons justement continuer à développer aussi dans ces régions un peu plus lointaines de la frontière la capacité de travailler ensemble des établissements français et allemands. Et puis, parmi ces 213 établissements, il y a aussi des établissements tiers, situés en pays tiers, disons en tout cas, puisque nous travaillons à des cursus binationaux, mais aussi trinationaux, voire des projets quadrinationaux européens. Je vais y venir dans un instant. Nous soutenons annuellement 6300 étudiants, à peu près, ça c'est le chiffre de 2021, au sein donc de 189 cursus intégrés franco-allemands, mais nous avons aussi des collèges doctoraux franco-allemands, ou d'ailleurs trinationaux, hein, un tiers des 28 collèges doctoraux sont en fait trinationaux, et on produit en quelque sorte 1300 bidiplômés par an, ce qui, au fil de nos 25 années d'existence, finit par faire 23 000, un peu plus de 23 000 alumni ou anciens étudiants, en tout cas de l'université franco-allemande à ce jour. Nous avons aussi dans le cadre des différents instruments qui nous permettent de soutenir les doctorats en co-tutelle ou les doctorats binationaux, formés à ce jour, à peu près, d'ailleurs entre-temps le chiffre a un peu augmenté, 500 docteurs, disons, issus de co-tutelle. Alors, j'espère que je suis en train de passer à la slide suivante. Très rapidement, sur la manière dont nous fonctionnons, nous fonctionnons par une présidence tournante française et allemande, avec un secrétariat général qui est binational, qui est situé à Sarrebruck, autant dire sur la frontière, et qui comporte différents départements qui sont à votre disposition. Nous travaillons dans les deux langues et aussi un peu en anglais quand il le faut, bien sûr, et avec des partenaires très variés qui peuvent être les universités, les Fachhochschulen, les grandes écoles, mais aussi bien sûr tous les établissements d'enseignement supérieur, quel que soit, pour ce qui concerne la France, leur ministère de rattachement, et à la condition simplement qu'ils puissent délivrer soit tout seul, soit en interaction avec une université, des diplômes accrédités, disons, au plan national en France par le CNESER et en Allemagne par les agences d'accréditation, geeignet, adéquate, voilà. Nous travaillons aussi en partenariat avec des réseaux européens et binationaux, j'y reviendrai dans un instant, et avec les mêmes partenaires que tout le monde, ceux qui sont présents ici et dont on se réjouit beaucoup, qu'ils aient une offre complémentaire à la nôtre. Nous pensons que les mobilités, une mobilité réussie, c'est une mobilité qui peut-être s'appuie sur un programme dans lequel on aura fait une mobilité Erasmus d'abord, une mobilité avec l'OFAGE, une mobilité qui n'aura pas forcément été franco-allemande, mais qui pourra le devenir ensuite dans un second temps, éventuellement par exemple au niveau d'un master, ou bien inversement, où c'est une mobilité qui peut démarrer chez nous au niveau d'une licence intégrée, donc bi-diplômante, et puis qui ensuite va pouvoir se compléter, notamment 50% de nos alumni sont encore, plus de 50%, 10 ans après leur début de carrière, encore actifs à l'international et pas nécessairement en franco-allemand. Ça veut dire que, en tout cas, se former à l'université franco-allemande prépare pour être mobile à l'international, en Europe et dans le monde. Nous travaillons sur des sujets qui peuvent être un peu compliqués ou plus ou moins faciles, disons en tout cas, et avec la forte conscience des difficultés que nous rencontrons d'ailleurs, je crois,
tous, en tout cas dans la coopération, qui sont à la fois éventuellement les difficultés de formation linguistique, mais comme nous travaillons sur l'ensemble des disciplines du spectre, effectivement, la diversité des niveaux de langue qui sont requis. Si je suis étudiant en école d'art, si je suis étudiant dans une formation d'ingénieur en informatique ou si je suis étudiant d'un master spécialisé sur la formation, le droit comparé entre la France et l'Allemagne, bien sûr, le niveau de langue attendu des étudiants ne sera pas le même. Et c'est bien sûr, il appartient bien sûr aux établissements qui se mettent ensemble de regarder ce qui convient, en tout cas, comme niveau de langue à l'entrée. Et en tout cas, pour nous, il est essentiel qu'à la sortie d'un bidiplôme de l'UFA, les étudiants soient bilingues, voire trilingues, pas forcément, mais en tout cas qu'ils aient la capacité de travailler dans chacun des deux territoires dans lesquels, dont sont issus les financements qui permettent de soutenir leur mobilité pendant leurs études. Il nous intéresse particulièrement de développer les formations artistiques. Donc, nous travaillons par, en tout cas, les coopérations entre établissements portant des formations artistiques, et si possible, justement, les coopérations bidiplômantes. Nous savons que ce n'est pas facile. Nous savons que le public des formations artistiques est un public particulier, comme probablement tous les publics d'ailleurs, très international, peut-être encore plus volatile que les étudiants habituels, peut-être un public qui rencontre aussi ensuite, Jérémy l'a évoqué tout à l'heure brièvement, des difficultés plus fortes que d'autres pour l'entrée sur le marché du travail à l'issue de ces formations. Donc, il nous semble en tout cas qu'il faut prévoir de réfléchir, de travailler ensemble, et mes collègues à l'Université franco-allemande et moi-même sommes prêts à réfléchir, disons, en tout cas à tout ce qui peut aider à réfléchir aux reconversions, à réfléchir aux petits effectifs, à réfléchir à l'articulation entre le franco-allemand et l'internationalisation. Et bien sûr, à réfléchir aussi aux articulations possibles avec les autres outils qui permettent de renforcer les dispositifs de stage, par exemple, dont nous disposons aussi, les dispositifs d'alternance que nous essayons de promouvoir, les liens avec les aspects métiers, etc., etc. Enfin, on a pris part, disons, en tout cas à plusieurs projets, mais ces dernières années, notamment en partenariat avec l'ensemble des prestataires de coopération ici présents et représentés. Mais nous, on a un fonctionnement qui est toujours le même, pratiquement, qui est celui des appels à projets, d'appels à projets bottom-up, même si on a quelques priorités top-down, et donc avec des procédures d'évaluation qui font qu'en gros, les établissements qui souhaitent porter ensemble un diplôme en commun, effectivement, doivent faire candidature, manifester leur intérêt, en général en année N, faire candidature au mois d'octobre de l'année N, pour par un processus d'évaluation qui est bien sûr externe et scientifique, mais qui porte aussi sur la construction, disons, commune, en tout cas de la formation, aboutit ensuite à des financements stabilisés, justifiés, adaptés. Ils ne sont jamais suffisants, mais en tout cas pour 4 ans, à l'issue desquels il est toujours possible de renouveler, là encore, et de repasser par l'évaluation. Je l'ai dit, on soutient et on finance des programmes où la mobilité et l'intégration, disons en tout cas, à des niveaux qui peuvent être variablement sanctionnés par des diplômes très divers, mais donc des niveaux de licence, master et doctorat, avec tout type d'établissement. Dans nos établissements, nous avons, et Bernard en parlait tout à l'heure, c'est aussi vrai pour ce qui concerne la grande diversité des métiers artistiques et des formations à ces métiers, aussi bien des universités, des grandes écoles, des écoles supérieures, des Fachhochschulen, des Kunsthochschulen, etc., etc.
Les avantages pour les étudiants qui, effectivement, vont suivre ces cursus, c'est bien sûr le fait qu'ils vont acquérir des compétences multiples, variées. On est très attentifs, en tout cas, les évaluateurs externes sont très attentifs dans les critères à ce qu'il y ait de solides compétences disciplinaires. C'est l'excellence dont parlait Wolfgang Deiring tout à l'heure, mais qu'elles soient évidemment complétées de l'acquisition, en tout cas au cours de la formation, de compétences linguistiques et interculturelles. On a des doubles diplômes qui ne sont pas nécessairement… voilà, il ne s'agit pas de refaire la même chose de l'autre côté que ce qu'on a fait dans la première moitié de sa formation, par exemple, dans son pays d'origine, mais bien sûr, la complémentarité des offres qui peuvent, des deux établissements qui se mettent d'accord sur la formation d'un, sur un diplôme, pour la construction d'un diplôme. Et effectivement, la complémentarité est un élément de richesse pour les étudiants et qui est tout à fait apprécié, en tout cas dans l'évaluation de ce type de programme ou de projet. Les aides à la mobilité sont octroyées à hauteur de 300 euros par mois aux étudiants durant leur phase de mobilité. La phase de mobilité, c'est un second critère, étant construite à discrétion entre les différents établissements, mais devant en tout cas conduire les étudiants à passer à peu près une période de temps suffisamment longue, en gros on compte la moitié de la formation au bout du compte, dans le pays partenaire, et d'y passer donc un temps suffisamment long, mais qui ne va pas conduire à une augmentation de la durée des études. Donc c'est véritablement à l'intégration, à la co-construction d'un programme commun de formation que l'Université franco-allemande vous propose de contribuer en quelque sorte. Au niveau des doctorants, le financement que nous donnons, que nous accordons pour la mobilité des étudiants est de 600 euros par mois, évidemment quand les étudiants sont mobiles, avec là aussi, c'est ce qui explique peut-être aussi qu'on a on n'a pas perdu trop d'étudiants, nous, pendant le Covid, ni de doctorants, parce que, de fait, ils étaient d'abord très encadrés. C'est la construction même et le caractère bidiplômant des formations qui font que les étudiants réfléchissent à deux fois avant de partir. Puis, c'est aussi la flexibilité que l'on a mis en œuvre. On a un programme de soutien aux co-tutelles, notamment en doctorat, qui est un programme pour le coup complètement individuel et qui est financé à hauteur de 5 000 euros. Dont on n'exclut pas que puissent être partenaires les doctorats de création. Et puis, bien sûr, dans les aides, dans le package qui est donné aux établissements qui sont nos partenaires, il y a un soutien qui est offert, disons, aux coopérations. Alors, de 2 500 à plus de 20 000 euros par an, selon le niveau, le type de projet et bien sûr le nombre d'étudiants qui sont concernés. Il y a aussi des aides à la préparation linguistique, à l'encadrement, des aides à la communication du cursus concerné. Et puis, en amont, un accompagnement à la candidature et en aval, un accompagnement et en tout cas à l'échange de bonnes pratiques au sein du réseau dont les établissements qui portent un cursus peuvent devenir donc membres et sont en tout cas partenaires. Pour les étudiants, ce qui peut être intéressant pour eux, c'est d'avoir cette organisation commune, disons en tout cas des études, des examens, et donc l'assurance non seulement de la reconnaissance de la période qu'ils ont effectuée de l'autre côté, mais aussi l'accès à un diplôme, un double diplôme ou un diplôme joint, sans que soit allongée la durée des études. En gros, je prends une cohorte d'étudiants en France, je prends une cohorte d'étudiants en Allemagne, je mélange bien, je les forme la moitié du temps dans un pays, l'autre moitié dans l'autre, et à la fin, ils ont deux diplômes. L'expérience évidemment donc du pays et des partenaires, puisque les étudiants ont travaillé ensemble, ont suivi leur formation le plus possible ensemble, en tout cas est assez importante et généralement appréciée. Et puis je viens d'en parler, effectivement on a une préparation ciblée qui est offerte aussi bien au niveau linguistique qu'administratif, avec un encadrement et un soutien particulier dans le pays d'origine et à l'étranger, et une possibilité depuis Corona de là aussi, disons, bénéficier d'une aide pour l'accompagnement numérique, la préparation numérique, la préparation linguistique des étudiants, mais aussi leur accompagnement numérique avant, après la mobilité et aussi à distance de celle-ci.
Nos programmes, donc je l'ai dit, des instruments d'intégration à la fois au niveau des cursus intégrés, bidiplômants de licence et de master, avec la possibilité aussi de bénéficier de licences gracieusement fournies par l'UFA pour l'apprentissage de la langue partenaire, par exemple, d'avoir une carte d'étudiant international, enfin bon, voilà, un certain nombre d'avantages. Au niveau de la formation doctorale, donc co-tutelle et collège doctoraux franco-allemand. Et puis, nous avons aussi un programme de manifestations scientifiques. Alors, ce sont des manifestations scientifiques pour jeunes chercheurs. Ça veut dire qu'elles doivent impérativement impliquer des doctorants, des deux pays, éventuellement trinationales, elles aussi. Donc, c'est la forme sous la forme d'ateliers ou d'écoles d'été ou d'hiver, d'ailleurs, on s'en fiche. Simplement, il s'agit donc de colloques ou de conférences de 2 jours minimum, d'une durée qui doit s'étendre sur 2 jours minimum pour permettre aux gens au moins de dîner ensemble. Là-dessus, nous sommes quand même français et de boire une bière. Là-dessus, nous sommes allemands, disons en tout cas. En tout cas, pour 4 semaines maximum, donc de bénéficier pour les établissements qui ne sont pas forcément membres, qui n'ont pas forcément à être membres de notre réseau, mais de faire candidature pour bénéficier d'un financement, là encore, selon la durée, le nombre de participants, voilà, un financement de la mobilité du séjour des jeunes chercheurs qui doivent avoir une participation active, hein. Il ne s'agit pas juste d'un congrès, par exemple, qui serait organisé et puis dans le cadre duquel voilà, on veut simplement voilà, des jeunes chercheurs, de futurs jeunes chercheurs écoutent, on veut vraiment qu'ils participent. Voilà. Et puis, ben, pour faire tout ça, on sait qu'il faut un peu d'ingénierie, et pour faire un peu d'ingénierie, il faut qu'il y ait un peu d'argent. Et donc, on propose aussi des rencontres préparatoires, disons, aux candidatures et aux autres projets innovants. Je me presse parce que j'ai la mauvaise et d'ailleurs tout à fait légitime réputation de parler trop longuement. Mais simplement donc pour redire voilà, on a quand même l'air de rien un nombre important en fait d'établissements qui forment voilà, alors à une transdisciplinarité renforcée dans laquelle effectivement les Quereinsteiger peuvent être des bienvenus, les bienvenus, bien sûr, de la musicologie, bien sûr, on a un cursus de pratique et d'enseignement musical, un cursus de composition, mais on a aussi tout un tas de cursus marketing, management, patrimoine, droit, formation des enseignants, journalisme, architecture, bien sûr, mais génie informatique, etc. C'est-à-dire des cursus dans le cadre desquels, ou médias, bien sûr, dans le cadre desquels vos étudiants bon, voilà, s'ils n'ont plus envie de pratiquer l'art, peuvent peut-être avoir d'autres formes d'insertion professionnelle, disons, qui viennent compléter, s'ajouter à leur formation et leur permettre peut-être de ce qu'ils auront peut-être vécu comme un échec à la sortie d'une école d'art, ben, effectivement, de transformer ça en une réussite professionnelle. Et ce sera d'autant plus intéressant que ça voudra dire qu'on aura des administrateurs de compagnie, des gens, des managers financiers qui peut-être seront passés par des écoles d'art. On a quand même des projets et des programmes dans les domaines culturels et créatifs, disons en tout cas, particulièrement voilà, quelques exemples de cursus existants, hein, des cursus en médiation culturelle de l'art, des cursus en muséologie pas mal, des cursus en théâtre, en Medienkultur, des cursus en orgue et composition musicale, des cursus en formation à la musique instrumentale et notamment formation des enseignants de musique instrumentale, des cursus bien sûr en métier du livre, et puis des collèges doctoraux franco-allemands, là aussi, qui peuvent être, comme vous le voyez peut-être ici, en interprétation et création musicale, en musicologie, en art, en littérature, en histoire de l'art bien sûr, et en sciences de l'éducation. Et puis évidemment, on a de nombreuses thèses, ateliers pour jeunes chercheurs donc dans tous les domaines, hein, pour le coup, les domaines qui vont aussi bien de la photographie, l'architecture, les musées, la vidéo, l'art contemporain, l'opéra, enfin, voilà, des choses, je peux donner quelques exemples de co-tutelle sur l'archéologie des médias et la vidéo, sur des études
de l'ingénierie d'exposition effectivement muséale, sur les dessins d'architecture des cathédrales de Strasbourg et de Fribourg. Enfin voilà, il y a effectivement en tout cas sur des études sur la pratique théâtrale contemporaine dans des collectifs de théâtre. Enfin bref, la diversité de la recherche lorsqu'elle s'effectue bottom-up. Et la même chose vaut également pour les manifestations scientifiques et les ateliers, où on peut avoir à la fois on a pu avoir ou soutenir des manifestations sur la musique des migrants, sur l'écriture de la danse. N'hésitez pas en tout cas à faire candidature avec vos étudiants et doctorants si vous en avez. Nous nous inscrivons aussi dans les projets franco-allemands et notamment dans les projets d'alliance européenne, même si, comme vous le savez, il y a un certain nombre, mais pas très grand nombre parmi ces alliances qui sont effectivement dédiées à l'art, et puis aux arts, disons en général. Et puis, au-delà, bien sûr, nous continuons sans cesse à nous poser des questions. Donc, nous avons pas mal travaillé sur les co-tutelles de thèse, notamment dans le domaine franco-allemand, et en essayant de réfléchir à la manière dont elles pouvaient s'articuler avec l'Europe, sur l'alternance de la même manière et donc sur la reconnaissance des diplômes au niveau européen. Donc nous transmettons très volontiers, nous partageons nos réflexions et transmettons nos expertises. Prenez contact avec nous, ce qui ne rentre pas dans nos programmes. Was nicht passt, wird passen gemacht, comme on dit en Allemagne. Donc ce qui ne rentre pas dans nos programmes aujourd'hui peut peut-être être appelé à y rentrer demain avec des questions qui sont celles que nous nous posons, comme se les pose tout le monde, sur l'internationalisation justement des parcours de formation, de recherche, mais aussi d'accès à l'emploi, sur la mobilité, la durabilité, la transition numérique qui touche aussi les disciplines artistiques, classique, patrimonial, et puis sur les nouvelles frontières, les nouveaux projets, les nouvelles coopérations et les nouvelles difficultés. Et nous aurons l'année prochaine, dans le cadre du 60e anniversaire du traité de l'Élysée, aussi un appel à projet qui s'adresse aux établissements membres de notre réseau, mais en leur recommandant d'aller chercher d'autres publics eux-mêmes. Et donc, s'il y a une université pas loin de chez vous qui est membre de l'UFAI avec laquelle vous souhaitez renforcer vos liens, peut-être aller la voir dans cette perspective. Et puis, dans le cadre des manifestations, des appels à projets pour les manifestations scientifiques, nous ouvrirons vraisemblablement l'année prochaine, non seulement, un appel à projet dédié de nouveau aux questions de santé globale. Je crois qu'on a tous été confrontés aussi à la question de la santé mentale et psychique des étudiants. Et en tout cas, peut-être que si la culture et l'art peuvent être reconnus comme une composante de la santé globale, on en sera très heureux parce qu'on travaille fortement en tout cas à la promotion de la transdisciplinarité. Et puis, on travaille aussi au soutien du multilinguisme. Et donc, si vous souhaitez ouvrir des coopérations franco-allemandes avec l'Afrique, notamment francophone et germanophone, sentez-vous en tout cas les bienvenus dans le réseau de l'UFA et auprès de mes collègues. Merci beaucoup, pardon d'avoir été long. Merci Marjorie. Je vais passer sans trop de transition la parole à Mathilde Bégrand. Peut-être un point à relever commun justement aux deux dernières présentations de l'UFA et de l'OFAGE, c'est justement l'implication de pays tiers qui permet justement d'avoir les trois pays nécessaires à tout projet européen, au-delà évidemment des mobilités individuelles. Une petite transition pour Mathilde. Oui, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que le partage d'écran a marché? Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de cette invitation à
à venir présenter les opportunités d'Erasmus+ aujourd'hui. En préambule, je voulais dire que l'ensemble des opportunités qui s'offrent à vous en fait est extrêmement diverse. On vient de voir plusieurs présentations avec souvent les mêmes mots-clés, les mêmes types de financement, plus ou moins différents. Et je pense que dans tout ça, aujourd'hui, votre travail à la fin de cette présentation, ça va essayer de trouver les complémentarités et de vous interroger sur quel est mon objectif final, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans mon établissement pour pouvoir bénéficier au mieux de cette magnifique boîte à outils qu'on est en train de vous présenter depuis ce matin. Donc voilà, j'arrive moi maintenant avec mes projets européens, mes financements européens rajoutés dans cette boîte à outils à votre disposition. En préambule, c'était aussi de vous dire que la culture a un axe particulièrement important pour la Commission européenne. On a parlé effectivement de l'importance et de la crise aussi qu'a vécue la culture pendant cette crise, cette pandémie mondiale, mais aussi toute l'importance qu'elle a pris pendant cette pandémie mondiale. Et donc, la culture est vraiment mise au centre de la politique et de la stratégie de la Commission européenne, en tout cas sur l'éducation et la formation et plus large. Donc, Erasmus+ prend sa part dans ceci avec plusieurs choses, déjà des ressources dédiées pour vous. Donc, je crois avoir compris que les PowerPoints vous seraient diffusés, donc vous aurez tout ça. Un réseau aussi de développeurs Erasmus+ Culture qui est dédié. Depuis quelques années, en fait, nous formons, nous appuyons sur des acteurs de la culture, alors de l'enseignement supérieur, mais aussi de l'ensemble des acteurs de la culture en France. Donc là, effectivement, je vais vous présenter des financements qui sont accessibles côté français et côté allemand, mais certaines initiatives sont françaises aussi dans ce diaporama, et qui sont là pour accompagner les établissements d'enseignement supérieur et tout autre établissement lié à la culture dans leur pas, dans Erasmus, comprendre les opportunités, les accompagner aussi sur leurs problématiques particulières. Vous êtes des écoles plus petites, avec des objets plus particuliers que des grandes universités, que des grosses universités ou d'autres types d'établissements d'enseignement supérieur. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de participants, donc si certains développeurs Erasmus de la culture sont présents, ils n'hésitent pas à le mettre dans le chat. Et vous avez aussi une adresse de contact particulière, culture@agenceerasmus.fr, derrière laquelle il y a ma collègue Annabelle Villiers-Cousse, qui est en charge plus particulièrement de ce sujet culture. Et donc, aussi pour vous dire que c'est une importance aussi au niveau national, puisque le ministère de la Culture est très présent, il fait partie de nos ministères de tutelle. Ma décoration est en train de tomber derrière moi, je viens de voir ça. Êtes-vous prêt pour Erasmus+, ça tombe, mais j'espère que vous êtes toujours vous derrière l'écran tout de même. Donc, ça pour dire que le ministère de la Culture est très présent et c'est aussi grâce à leur soutien que cet engagement est très présent aussi dans notre agence. Voilà, en préambule. Et donc, ma collègue Annabelle Villiers-Cousse sera présente aux ateliers thématiques le 18 novembre pour continuer à travailler avec vous sur ce sujet. Et pour finir sur ça, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous étaient présents au campus Condorcet il y a quelques jours, quelques semaines, où il y a eu une journée dédiée à la culture dans les programmes européens. Alors tout à l'heure, je parlais de boîte à outils. Là, je vous présente Erasmus, mais sachez qu'il y a encore plein d'autres opportunités dans les financements européens. Je pense à l'initiative pour le nouveau Bauhaus, notamment, qui a vraiment été lancée cette année par la Commission européenne. Je pense aussi, bien entendu, au programme Europe Créative, qui est dédié à la culture, mais aussi pour ceux qui font, vous avez parlé aussi un peu de recherche depuis ce matin, pour ceux qui font aussi de la recherche action, qui est très présente, dans le secteur culturel. Regardez aussi du côté des financements européens de la recherche Horizon Europe. Voilà, pour un premier panel et vous dire qu'il y a encore plein d'autres opportunités que celles qu'on vous a présentées aujourd'hui. Dans le programme Erasmus, diverses opportunités. D'abord, une opportunité autour de la mobilité, c'est l'action la plus connue. C'est dans Erasmus de la mobilité encadrée, absolument reconnue dans le cursus. C'est de la mobilité des étudiants pour des études, du stage en Europe et hors Europe, mais c'est aussi la mobilité des personnels administratifs, mais aussi enseignants. C'est aussi de la coopération. On a aussi beaucoup parlé de coopération depuis ce matin. Ce sont des projets de partenariat. Alors, vous voyez, chaque petite case est un type de projet différent, un appel à candidature différent. Chacun a son ambition, chacun a son type de budget, chacun a son objectif final. On ne va pas tous vous les présenter ce matin, ce serait beaucoup trop long, mais on va faire deux, trois focus.
Et puis, la dernière action qui est peut-être moins connue et encore moins dans le secteur artistique, ce sont les activités d'enseignement et de recherche sur l'Union européenne. Ça s'appelle les programmes Jean Monnet. Et c'est vrai que dans mon souvenir, déjà, la France est peu présente, mais sur les sujets artistiques également, on a peu de présence. Donc, ça pourrait être aussi intéressant pour vous de creuser de ce côté-là. Je n'irai pas plus loin sur cette diapositive, l'ensemble des opportunités, puisque nous attendons assez sans Mathilde, on est resté sur la diapo Erasmus s'engage. Ah mince. Je ne sais pas si c'est... Tout, là. Et là ? Non, ça bouge. Enfin, chez moi, ça ne bouge pas. Alors, j'éteins tout et je reviens. En fait, Mathilde, normalement, il suffit... Ah, ça y est. De changer dans votre escalier de gauche, là, dans l'échelle de gauche, pour c'est à vous de passer, je crois, d'une diapositive à l'autre. Et c'est comme ça que ça marche, c'est ce dont je viens de faire l'expérience. Bon, on va faire comme ça, c'est peut-être moins joli à l'écran. Je ne suis pas en partage total, mais au moins vous voyez les diapositives. Là on est sûr. Oui, c'est voilà. Bon. Assurons les choses. Oui, tout ça pour dire que pour chacune des actions présentées sur cette diapositive, nous faisons, côté français, un cycle de webinaires qui s'appelle Prêt pour Erasmus+. Ça va commencer fin novembre, début décembre. Ça ira jusqu'à fin janvier. Donc, pour ceux qui sont intéressés, regardez régulièrement sur le site de l'agence Erasmus+ France ou si vous êtes inscrit à la newsletter, vous recevrez l'information. Et pour chacune des petites cases, vous aurez à chaque fois une présentation de l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire avec et c'est quoi les modalités de candidature et un webinaire de conseils et d'astuces pour avoir une candidature de qualité. Voilà, donc ce qui me permet aujourd'hui d'insister uniquement sur trois actions en particulier, trois actions qui nous semblent extrêmement importantes pour structurer vos coopérations avec des partenaires français et allemands, mais aussi plus large. Hein. Erasmus, c'est bien entendu du multilatéral, c'est construire l'Europe. Alors, on peut commencer à construire en bilatéral et aller plus large par la suite. Tout d'abord, la mobilité des personnels. La mobilité des étudiants, c'est la plus connue, les études, les stages. Mais sachez aussi qu'il est possible aussi de faire bouger vos personnels, enseignants ou administratifs, sur des périodes courtes de quelques jours, pour soit enseigner, pour les enseignants, ou pour les personnels administratifs, faire ce qu'on appelle de l'échange de bonnes pratiques. Et là, on rentre vraiment sur le premier début de coopération structurée avec vos partenaires, de renforcement de liens, d'échange de bonnes pratiques, et puis pour la personne en telle qu'elle, d'acquérir de nouvelles compétences, de travailler dans un environnement international, de travailler dans un environnement allemand ou français. Et vous voyez, on a sorti une enquête. Alors, tout à l'heure, c'était, je crois, notre collègue de l'OFAGE qui parlait aussi de tout le travail qu'il faisait en termes de notes et de travail d'impact. Sachez que l'agence Erasmus+ a aussi tout un travail sur l'impact et a sorti à la fin de l'été une note qui s'appuie sur quels sont les impacts de la mobilité sur les jeunes et les autres types de mobilité. Et on voit que 62% des professionnels qui sont partis en mobilité de formation considèrent qu'ils ont modifié moyennement fortement leur pratique professionnelle. Donc, poser aussi à ça dans le programme Erasmus, c'est une manière de développer les compétences de vos collaborateurs tout en structurant beaucoup mieux la coopération avec vos partenaires à travers l'Europe. L'autre focus qu'on avait envie de faire ce matin, c'est une autre action qui est moins connue, enfin qui commence à être connue, mais qui s'appelle les programmes intensifs hybrides. Pareil, hein, d'autres structures vous les ont montrées depuis ce matin. On s'est bien rendu compte que la mobilité virtuelle, enfin les activités virtuelles étaient tout à fait possibles et permettaient même aussi d'être très innovants en termes pédagogiques. Mais on s'est rendu compte aussi qu'on en a tous un peu marre d'être derrière nos ordinateurs et que du coup, la mobilité physique associée, c'est très bien aussi. Donc, c'est ce qu'on vous propose avec les programmes intensifs hybrides, c'est de la mobilité de groupe, clairement, qui est associée à des activités virtuelles. Donc, la mobilité physique va être courte, 5 à 30 jours, et des activités virtuelles pédagogiques vont pouvoir avoir lieu avant ou après la mobilité physique. Ce qui est aussi particulier, c'est qu'elle vous oblige, comme beaucoup dans les programmes Erasmus, à nous, on est là pour construire l'Europe à plusieurs, à être de trois pays différents. Donc, voilà, on a vu le trinational aussi ce matin, c'est à nouveau ça, et c'est minimum trois pays différents. Donc, vous pouvez aussi aller sur d'autres pays.
Et c'est très large, c'est-à-dire toute thématique peut être abordée par les programmes intensifs hybrides. Il n'y a vraiment aucune restriction autre que vous. Quel est l'objectif que vous voulez amener à vos étudiants? Et sachez que c'est aussi possible pour les personnels de faire ce type de mobilité groupée associée à des activités virtuelles sur un sujet particulier que vous voudriez travailler à plusieurs. Comme toujours dans le programme Erasmus, tout doit être reconnu dans le cursus du jeune ou dans la carrière professionnelle du personnel. Et donc, il faut qu'il y ait une plus-value, une reconnaissance, etc. Pour ces programmes intensifs hybrides ou pour la mobilité des personnels, j'ai parlé avant, c'est à l'intérieur des financements. C'est finançable avec la subvention Erasmus, on va dire classique, que vous demandez tous depuis des années. Et donc, c'est une opportunité que vous avez sans faire de demande de financement en plus, ou de dossier de candidature en plus. Ce sont des choses déjà, des nouveautés possibles dans le cadre des financements que vous demandez chaque année régulièrement à votre agence nationale, donc à l'agence Erasmus Plus France qui est à Bordeaux, ou au DAD pour nos collègues allemands. L'autre particularité qu'on voulait vous présenter, puisque côté français, alors je n'ai pas regardé les chiffres côté allemand, peut-être que mon collègue du DAD pourra donner l'information, il y a une petite action qui est peu utilisée par nos partenaires français, mais qui semble quand même très pertinente pour les écoles d'art, ce sont les partenariats de coopération. Alors, sinon, c'est l'action clé 220, voilà, dans notre jargon Erasmus. Et ce sont des financements pour monter un projet avec des organismes européens. À nouveau, vous allez devoir être trois pays européens différents. Et ce qui est intéressant avec ces projets, ça c'est la nouveauté sur le nouveau programme Erasmus 21-27 hein, qui a repris, c'est qu'il y a des niveaux d'ambition et d'enjeux différents, puisque vous pouvez choisir entre trois niveaux de budget. Donc des projets à 120 000, des projets à 250 ou des projets à 400 000 euros. Donc forcément, en fonction du budget que vous demandez, l'ambition et l'enjeu peut être différent. Et donc pour ceux qui n'ont jamais monté ce type de projet, bah vous pouvez commencer par un budget à 120 000 avec les activités qui vont avec et peut-être plus tard penser à plus large. Vous pouvez aussi aller sur des projets de 12 à 36 mois. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces projets? Et bien en fait, c'est pour ça qu'on a du mal à vous la présenter, c'est que beaucoup de choses peuvent être faites avec ce projet et c'est ça qui est intéressant. L'objectif central, bien entendu, ça va être l'innovation pédagogique. Alors, avec ma collègue Annabelle Villiers-Couls, on vous a trouvé deux exemples de projets, on va dire, dans le monde de la culture qui ont pu être montés. Alors, ce n'est pas forcément directement des écoles d'art, mais c'est pour vous montrer un petit peu des exemples. Alors, on pense au Conservatoire de musique et de danse de Lyon, qui a commencé à développer une formation de composition musicale pour l'audiovisuel. Ils ont commencé par ce financement sur 36 mois avec des universités partenaires, des fondations, des entreprises, des associations de festivals, à voir les tenants, les aboutissants, la maquette de formation, les besoins du milieu professionnel, les demandes des jeunes, et ont créé cette formation de composition musicale pour l'audiovisuel. D'abord, un premier module, ils ont testé avec des mobilités, et c'est maintenant un master à part entière qui est proposé par trois universités partenaires à des étudiants français et du monde entier. L'autre exemple qu'on peut vous donner, c'est un projet qui, lui, est nouveau, puisqu'il a été, le premier projet est terminé, mais le deuxième a été sélectionné en 2021. C'est la Cité du design, l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne, sur un projet qui s'appelle Arts and Craft aujourd'hui. Donc, je pense qu'en anglais, ça doit faire Arts and Craft Today. Vous voyez, là, on est pareil sur un gros financement et avec plusieurs types de partenaires. Alors là, plutôt des partenaires académiques. Et là, un gros travail sur les nouvelles méthodes pédagogiques pour former des artistes et des designers, forcément c'est l'école de design, en adéquation avec leur environnement socio-économique. Alors là, le terme est un peu fort, mais l'idée c'est vraiment de partir des besoins locaux, des besoins aussi des nouveaux enjeux tels que le développement durable, et de partir vraiment du lien socio-économique et d'en déduire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos formations existantes. Donc là, ce n'est pas la création d'une nouvelle formation, c'est vraiment l'amélioration, le développement, l'innovation dans les formations existantes de ces partenaires. Leute dann eben danach auch direkt ins Berufsfeld einsteigen können. So, das sind jetzt erstmal zwei Beispiele, um Ihnen zu zeigen. De l'écollaborative, de l'immersion, de l'observation. Et c'est des projets qui doivent forcément avoir un résultat
final, ce qu'on appelle des livrables dans notre jargon, et qui peut être vraiment de toutes sortes. On l'a vu, ça peut être une maquette de formation, une formation qui va couvrir, ça peut être des serious games, des plateformes web, des guides de bonnes pratiques, des pièces de théâtre, des modules de cours, des MOOC. C'est très, très large. Donc, si cette action vous intéresse et que vous voulez continuer à la creuser, ben déjà, vous avez vu tout à l'heure, vous avez le réseau des développeurs culture qui peuvent être là pour répondre à vos questions, vous donner d'autres exemples. Et puis, à nouveau, on fera un module spécial, un webinaire spécial sur ces actions de partenariat de coopération pour vous expliquer et répondre à vos questions si ça vous intéresse. Aujourd'hui, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Déjà, je pense que je n'ai pas énormément de temps. Je suis censée avoir que 15 minutes, donc je vais aller au bout de ma présentation. Mais aussi parce que il y a d'autres temps pour rentrer dans les détails avec vous. C'est l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner envie. Voilà. Je vous l'ai déjà montré. Et donc, pour finir sur les ressources, donc Erasmus+, c'est des appels à candidature annuels jusqu'en 2027. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant pour structurer vos objectifs, votre stratégie. Sachez que chaque année, il y a un appel à candidature qui est peu ou prou dans ses modalités le même que l'année d'avant. Sachez aussi que quand vous candidatez, vous avez un retour d'évaluateur qui est particulièrement poussé, détaillé, qui vous permet, même si vous ne passez pas la marche la première année, de recandidater de manière plus sereine en sachant ce que vous avez amélioré pour passer la fois d'après. Il y a des actions qui sont très concurrentielles, on ne va pas se mentir, d'autres beaucoup moins. La fameuse action clé 220 que je vous ai présentée juste avant, par exemple, on est à 63% de taux de réussite sur cette action, donc voilà, envisagez-la. Il y a d'autres actions qui sont beaucoup plus concurrentielles, notamment celles qui sont gérées directement à Bruxelles, où on est, toutes les candidatures sont vues de la même manière. Si ce que je vous ai dit aujourd'hui vous intéresse, retrouvez-nous sur les webinaires prêts pour Erasmus+. Et le calendrier va être grosso modo tout ce qui est clé 1, donc la mobilité des individus, vos demandes de financement pour ce qui est de la mobilité, va se terminer en fin février 2023. Et pour tout ce qui est coopération, on est sur du fin mars 2023. Donc, on est en octobre. Si vous avez des idées de projet, si vous avez déjà identifié quelques partenaires, on est encore réellement dans les temps pour déposer des projets. Ça se fait très bien. Voilà, beaucoup de ressources, bien entendu, comme les autres institutions qui se sont présentées aujourd'hui. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter de l'agence. Il y a régulièrement des envois pour montrer des projets, pour vous donner des idées de ce qui peut être fait dans Erasmus. Vous avez aussi les dates officielles qui tombent, les conférences. Je pense à il y a des galeries de projets, il y a les réseaux sociaux, il y a les développeurs Erasmus+. On a la plateforme de candidature qui s'appelle Mon Projet Erasmus+. Et ce n'est pas mis ici, et j'aurais dû le mettre aussi. On a régulièrement, pour les institutions qui sont normalement peu présentes dans Erasmus, ou en tout cas qui ne font pas forcément de projet de partenariat dans Erasmus, des rencontres transnationales très régulièrement sur des thématiques précises. Il y en a quelques-unes qui sont ouvertes dans l'enseignement supérieur, où vous vous retrouvez avec des partenaires européens divers et variés pour travailler sur un sujet précis. Ça s'appelle les rencontres transnationales. On a 3 institutions qui sont rentrées la semaine dernière de Bifrost au fin fond de l'Islande, où ils ont travaillé justement sur les programmes intensifs hybrides en transnational avec plusieurs partenaires européens pour mieux les comprendre. Donc ça, je pense aussi pour les écoles d'art, et on a souvent des candidatures, n'hésitez pas à aller sur ce genre d'événements pour mieux comprendre Erasmus si vous impliquez dedans. Et ma collègue Annabelle m'a dit aussi, si je ne le dis pas, je vais me faire disputer, de vous rappeler que sur les projets de partenariat de coopération, de bien vous appuyer aussi sur les réseaux culture existants. Alors français, je pense à Mandéa, et je crois avoir vu quelqu'un d'Mandéa dans les participants, mais aussi tous les réseaux européens existants que vous avez déjà à votre disposition pour monter ces partenariats et être ambitieux aussi sur ces partenariats de coopération. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Mathilde. Effectivement, les Relais Culture Europe pour la France, en tout cas, sont des partenaires privilégiés pour faciliter l'accès au programme et au financement européen. Je donne rapidement la parole à mon équipe Campus France qui va juste dire quelques mots sur dans quelle mesure elle peut aider au moins surtout les établissements allemands, puisque nous travaillons sur l'Allemagne pour promouvoir les études en France et les coopérations et échanges avec les établissements français.
Bonjour à tous. Merci Bernard. Tu as déjà dit beaucoup de choses, ce qu'on fait à Campus France. Donc, nous, on est au service des étudiants, on les informe et on les conseille lorsqu'ils veulent partir en France pour des études. Et nous organisons des événements d'information, justement, donc, soit sur le système universitaire français et leurs possibilités de partir en France, soit sur vraiment la préparation au départ en France, sur les détails pratiques, comment vivre en France et la vie universitaire là-bas. Donc, on communique beaucoup sur nos réseaux sociaux et on fait aussi des mailings. Donc, n'hésitez pas à relayer les informations auprès de vos étudiants. Ça peut beaucoup les aider. Et je laisse la parole à Hugo qui va vous présenter Campus Art. Oui, alors j'en profite pour présenter rapidement la plateforme de Campus France Paris, pour le coup, qui est donc une plateforme publique spécifique aux écoles d'art, qui s'appelle donc Campus Art. Alors, je vais peut-être rapidement vous la montrer. Exactement. Donc, il y a, pour faire simple, deux grands avantages à cette plateforme, donc c'est campusart.org. Vous avez d'une part un catalogue avec les écoles membres de Campus Art qui regroupe quand même un grand nombre d'écoles. Donc ça peut être un outil pour les écoles, les établissements allemands pour trouver des partenaires en France. Mais évidemment, toutes les écoles d'art ne sont pas cette plateforme. Mais ça permet quand même déjà de donner une idée des écoles. Donc là, je vous montre un peu les écoles que vous pouvez trouver dessus. Donc ça, c'est là. Une grande partie de Campus Art. L'autre grande partie, c'est une procédure de candidature en ligne. Donc, c'est en réalité, ça permet aux étudiants étrangers de pouvoir candidater plus facilement aux écoles membres de Campus Art. Donc, concrètement, ils peuvent, avec une seule candidature, candidater à 7 écoles différentes, avec un seul portfolio. Voilà. Cette candidature est gratuite jusqu'au moment où les étudiants reçoivent une réponse positive de l'établissement et ils l'acceptent. Donc, par exemple, s'ils n'acceptent pas à la fin, ils sont pris par un établissement X, mais finalement, ils changent d'avis et veulent postuler dans une autre école, ben, ils ne paieront pas les frais d'inscription, les frais de dossier qui s'élèvent à 300 euros. Voilà, donc c'est pas du tout une procédure obligatoire, hein. C'est une procédure pour faciliter. Ils peuvent très bien, les étudiants allemands peuvent très bien passer par Parcoursup ou directement par les écoles. Voilà. Et donc si vous avez besoin de plus d'informations sur cette procédure, c'est Marie Chamorro de Campus France Paris qui s'en occupe et je vais vous mettre son adresse mail dans le chat. Merci Hugo. Donc juste peut-être pour compléter tout ça, et Hugo l'a déjà dit, principalement pour les établissements allemands, cette plateforme Campus Art est une ressource dans le sens où vous pouvez y trouver des partenaires potentiels. Et par ailleurs, mon équipe Campus France peut se rendre sur place dans les écoles, donc y compris les écoles d'art allemandes, pour présenter les possibilités d'étudier en France. Et ces possibilités, justement, ne se limitent pas éventuellement qu'à des mobilité simple, mais aussi effectivement dans les mobilités dans le cadre d'Erasmus ou dans le cadre de l'université franco-allemande et des doubles diplômes. Et nous travaillons de toute façon, toutes les organisations qui sont présentes aujourd'hui travaillent très étroitement en lien et la plupart du temps, les présentations sont faites par des binômes où nous accueillons des alumni de l'université franco-allemande. Nous faisons manifestations communes avec le DAD ou avec justement enfin, la partie aussi Agence nationale allemande Erasmus intégrée au DAD, puisque évidemment c'est plus difficile en Allemagne de recourir à l'Agence nationale française et que leur interlocuteur primaire est l'Agence nationale allemande. Voilà, donc nous restons à disposition pour des questions. Merci en tout cas pour toutes les présentations.
Donc, je vois donc que nous sommes encore une petite soixantaine. Alors, pour une question de Sophia, pour l'échange du personnel, est-il possible que seulement deux pays y participent? J'imagine que c'était une question pour Mathilde Bégrand. Oui, tout à fait. Effectivement, la mobilité dans Erasmus est bilatérale. Hein. Elle va se faire entre établissements d'enseignement supérieur et dans le cadre d'un accord interinstitutionnel Erasmus que vous avez signé et dans lequel vous avez décidé combien d'étudiants par an vous allez vous échanger, entrant, sortant, le niveau, si vous avez échangé des personnels, combien, quelle durée. Donc, tout à fait, ça va être bilatéral et c'est ouvert à tout type de personnel. Merci Mathilde. Parce que pour l'instant, les autres questions avaient été répondues directement dans le chat. Est-ce qu'il y aurait de nouvelles questions ? Je crois que c'est pour moi également. Oui. Alors, quand il s'agit de petits établissements, lycées artistiques, les IA sont-ils nécessaires avec d'autres lycées? Alors, il faut forcément un accord interinstitutionnel Erasmus+, pour faire de la mobilité éligible dans Erasmus+. Donc, oui, attention, et c'est là où on touche les différences de système d'éducation entre les pays européens. Si vous avez obtenu un financement en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, il va falloir envoyer votre étudiant pour de l'étude, hein, pour du stage. Il pourra bien aller dans n'importe quel établissement, puisque ça peut être dans un théâtre ou peu importe. Mais pour étude, il va falloir l'envoyer dans un autre établissement d'enseignement supérieur qui aura la charte Erasmus+. Donc, c'est ce petit truc à vérifier avant quand même. Avec l'endroit où vous enverrez votre étudiant. C'est vrai que là, on touche aux différences de structuration des systèmes d'enseignement supérieur en France. En France, les lycées avec des filières BTS, STS, sont de l'enseignement supérieur et il s'avère que parfois, dans d'autres pays européens, ce n'est pas le cas. Donc, il y a un petit hiatus à faire attention, mais n'hésitez pas à revenir vers l'agence française ou que votre partenaire aille vers son agence pour vérifier ce point-là avant de mettre en place l'accord interinstitutionnel. Merci Mathilde. Bon, la question qui revient le plus fréquemment aussi, c'est la mise à disposition des slides. Je m'avance un peu, mais je pense que oui, nous mettrons à disposition les slides, très certainement sur un cloud afin de pouvoir les télécharger parce qu'elles sont assez volumineuses. Et par ailleurs, dans le même ordre d'idées, donc nous avons parlé à plusieurs reprises des rencontres des formations artistiques supérieures que nous allons organiser les 17 et 18 novembre à Paris. Et donc, les représentants de toutes les organisations qui sont ici seront présents lors de ces deux demi-journées de rencontres avec des stands et pourront répondre à toutes vos questions en direct et bien sûr la possibilité aussi de prendre des rendez-vous directement en s'inscrivant sur la plateforme dédiée. Et donc, Wolfgang l'a déjà dit, ce ne sera pas lui, mais ses collègues du bureau parisien du DAD. Mathilde, c'est sa collègue dont elle a parlé, Jérémy et Michaela à ce moment-là, nous autres, à la fois Marjorie, Hugo et Valentine et moi-même serons là aussi pour éventuellement répondre à vos questions. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Marjorie. Oui, pardon, je voulais peut-être ajouter simplement que les dispositifs de rencontres préparatoires, donc au montage de cursus ou à des manifestations scientifiques, sont très simples d'utilisation.
Or, vraiment simple, quoi. C'est-à-dire que, ben, il faut faire candidature, ça peut se faire jusqu'à 4 semaines avant la rencontre, et vous pouvez disposer de 2 500 € dans l'année. Alors, on a de moins en moins peut-être besoin de se rencontrer, mais enfin, il y a quand même des moments où, quand on est dans le dur du sujet, c'est quand même bien de se rencontrer pour de vrai, comme le disait Mathilde Bégrand, je crois. Voilà, n'hésitez pas à faire candidature. C'est Maria Leprévost qui s'occupe de ça. Je mettrai peut-être un point, je remettrai peut-être. C'est très facile et vous n'êtes pas obligé, c'est pas obligé de déboucher, disons en tout cas, sur une candidature, une manifestation. Enfin, vous n'êtes pas obligé de réussir, disons en tout cas, mais en revanche, d'essayer de monter une manifestation scientifique et quand même que le projet en soit crédible, hein, évidemment. Donc, je voulais signaler ça parce qu'effectivement, en termes de montage ou d'aide à l'ingénierie, ça peut effectivement se coupler avec d'autres choses qui existent. Et je voulais aussi signaler que nous organisons assez régulièrement sur des sujets qui nous importent des rencontres d'experts, alors qui sont censés travailler sur des sujets qui sont plutôt des sujets recherche, mais qui sont des sujets... et comme là aussi Mathilde a parlé du développement durable, notamment de la durabilité, etc., nous aurons l'année prochaine, début octobre, à Mannheim, une rencontre d'experts sur justement le développement durable et la durabilité en termes climatiques, mais pas uniquement. Natürlich im Rahmen der Klimadiskussion, aber nicht nur, sondern auch Kultur und Kreativität. Also, dann können Sie sich vielleicht diese de l'année prochaine. Et bien sûr, on sera très heureux aussi de continuer à vous informer de ce genre de choses. Et puis, Mathilde, pour rebondir sur ce que disait Mathilde tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut faire du bilatéral au sein du multilatéral. On peut faire du multilatéral à partir du bilatéral. Et nous, en tout cas, ça nous intéresse beaucoup que le franco-allemand ne reste pas, ne soit pas un club fermé. Disons, en tout cas, on a vraiment une forte conscience non seulement de notre mission européenne, mais aussi du fait que on se complète et on s'articule. Donc, n'hésitez pas aussi, dans ces perspectives, si vous portez des projets européens, à voir, comme le disait Mathilde Bégrand, comment ça peut s'articuler, disons, en tout cas avec des projets franco-allemands, que ce soit les nôtres ou ceux du DAAD ou de l'OFAGE, ou bien sûr avec l'aide de Campus France. Si je peux me permettre de rebondir à nouveau. Je pense que c'est extrêmement important ce que vient de dire Marjorie, dans le sens où il y a une vraie opportunité. On voit qu'il y a moult financements qui sont possibles entre la France et l'Allemagne, que ce soit au niveau bilatéral ou au niveau européen. Il y a d'autres pays en Europe où ce n'est pas le cas. Vous avez une opportunité folle qui peut faire peur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. On se dit lequel je vais choisir. Mais en même temps, elle est là, cette opportunité. Et on voit qu'il y a des financements plus simples à obtenir et qui peuvent vous servir de tremplin vers quelque chose de plus structuré, plus compliqué. Effectivement, Erasmus, c'est un peu compliqué parfois à obtenir, en tout cas, puisqu'en fait, il y a un aspect très structurant, donc les dossiers de candidature sont un peu lourds. Donc, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut voir, c'est cette complémentarité et de vous interroger sur qu'est-ce qu'on a envie de faire et par où on commence. Si on peut peut-être commencer par un truc, des fois, on va commencer par un truc très ambitieux et puis après, venir sur des choses plus simples, de rencontres bilatérales et puis, ou alors du très ambitieux bilatéral, puis ça viendra du multilatéral plus tard. Je pense que c'est ça qui est intéressant et de voir toutes ces opportunités ce matin, c'est enthousiasmant. Voilà. Alors, une question pour toi, Marjorie, par rapport aux alliances européennes. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'une seule alliance, hein, je crois, qui regroupe des écoles d'art, c'est EU for Art, avec l'école des beaux-arts de Dresde, en Allemagne, et du côté français, l'AIR, qui rejoint cette alliance ou qui en passe de la rejoindre. Mais il y a aussi Helsinki, je crois la Lituanie, Rome, il me semble, et je ne sais plus, Peut-être sur les alliances européennes, là encore, ça a été dit tout à l'heure,
Oui, on m'entend, ça va. Signaler, donc, il y a effectivement énormément de partenaires français et allemands qui sont dans des projets d'alliance. Et c'est comme avec les projets, les autres programmes européens, que ce soit Erasmus, que ce soit Horizon. C'est des programmes qui peuvent se monter et à l'intérieur desquels on peut tout à fait choisir d'insérer des programmes franco-allemands. Hein. C'est-à-dire que nous, en tout cas, on n'exclut jamais la possibilité que vous avez de faire bénéficier vos étudiants, c'est vrai pour les programmes, pour les alliances, mais c'est vrai aussi pour les, voilà, pour Erasmus, par exemple, de faire bénéficier vos étudiants d'un double financement. Je crois que le seul double financement qui ne soit vraiment pas permis pour les mêmes choses, évidemment, ça non, mais c'est avec l'OFAGE, bien sûr. Mais sinon, disons en tout cas, on peut toujours bénéficier de financements complémentaires. On peut, au sein d'une même cohorte, décider que si votre cohorte est trop importante, ben, des étudiants vont être financés par Erasmus et d'autres vont être financés par l'intermédiaire de l'université franco-allemande. Je suis bien sûre que ce soit tellement plus facile de monter des projets université franco-allemande quand il s'agit de projets de cursus intégrés que de monter des projets européens. Mais disons, en tout cas, voilà, ça c'est le principe que je voulais rappeler, c'est celui de nous, en tout cas, la non-exclusion de justement de la complémentarité des financements. Voilà. La deuxième chose, c'est effectivement plus précisément par rapport à la question du soutien. Donc, on n'a pas prévu des financements supplémentaires pour le soutien de John De Vries accrédité sur la European Approach. Mais en revanche, on se bat beaucoup pour que la European Approach soit plus aisée. Notamment, bon, voilà, on sait que la France et l'Allemagne ne sont pas parmi les pays qui sont les plus faciles, disons en tout cas, à convaincre. Que ce soit au niveau des lenders ou que ce soit au niveau des établissements, de la mise en œuvre réelle de la European Approach, donc qui permet normalement, lorsque l'accréditation d'un diplôme a été reconnue dans un pays et qu'il y a une coopération d'un diplôme joint, effectivement que voilà, il ne soit pas nécessaire d'accréditer de l'autre côté. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que les systèmes d'accréditation étant très variés, notamment entre la France et l'Allemagne, très différents, ça peut créer des difficultés. Nous essayons de prôner en tout cas l'idée que la European Approach pourrait être, disons en tout cas aussi valide dans le domaine des diplômes joints, pas seulement des diplômes joints, mais aussi des doubles diplômes, s'il y a effectivement une convention de coopération assez forte qui lie en tout cas et qui elle-même a fait l'objet d'une évaluation, qui lie les établissements en question. Et là, je crois que c'est plutôt au niveau politique qu'il faut qu'on fasse le travail, parce qu'au niveau financier, il me semble qu'en tout cas, on a déjà la possibilité, disons en tout cas, de conjoindre ces financements. J'espère que j'ai donné une réponse claire, même si elle était un peu longue. Merci Marjorie. Il y a une question sur les masterclass. Déjà, d'abord, une déclaration enthousiaste d'Alissa Novak qui a été financée dans l'école qui est l'ESA d'Amiens a été financée dans ce cadre. Et malheureusement, une question d'une candidate malheureuse. Donc, le taux de financement a été relativement élevé, enfin en termes de nombre de projets financés par rapport aux déposés, on devrait être autour de 60%, je n'ai pas calculé le taux exact, mais peut-être qu'il est important de dire, parce que je ne suis pas sûr de l'avoir dit tout au début, donc c'était une action de notre bureau de coopération universitaire de l'ambassade, mais menée conjointement avec l'UFA et l'OFAGE. Donc nous avons mis nos financements en commun pour essayer de soutenir le plus de projets possible, et nous devrions rééditer, si effectivement tous les crédits se sont bien mis à disposition de nos institutions respectives l'année prochaine, nous devrions essayer de rééditer
ce type d'appel à projet. Et l'important sur cet appel à projet était, je dirais, résider peut-être moins dans la masterclass en tant que telle, le séminaire, mais bien plutôt dans les perspectives de coopération. Car comme je l'ai dit au départ, il y a une réelle volonté à la fois de l'ambassade et des institutions qui se sont associées dans le cadre de ce cycle d'opérations, hein, de ce webinaire, les rencontres et l'appel à projet, d'aller bien au-delà de quelque chose qui serait des one-shots, et parce que ça, il y en a déjà beaucoup dans le domaine des formations artistiques. Il y a des mobilités étudiantes, mais il y a, à nos yeux en tout cas, pas assez, et c'est le cas aussi des ministères de tutelle qui le constatent, il n'y a pas assez de coopération structurée, d'échanges très réguliers. Et donc, il était important pour nous, et ça a été un critère vraiment déterminant dans le choix des dossiers, que les dossiers qui nous ont été présentés présentent justement des perspectives à moyen-long terme, et que cette masterclass que nous finançons cette année aille vers quelque chose de plus durable, justement, pour utiliser un terme très à la mode en ce moment. Je ne sais pas si Michaela, tu voulais rajouter quelque chose. Ja, also die Kunsthochschulen können sich auch gerne immer beim DFJW bewerben für einen klassischen Austausch, allerdings erst wieder ab 2023. Aber Sie können sich gerne noch mit mir in Verbindung setzen, dann kann ich Ihnen auch noch mal die ganzen Pauschalen und so weiter erklären. Merci. Je crois que nous arrivons lentement à la fin de notre webinaire. Si nous n'avons pas de questions supplémentaires. Je ne vois pas de nouvelles questions. Nous sommes encore un peu plus d'une cinquantaine. Donc, merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci beaucoup aux oratrices et orateurs. Nous espérons tous que cela vous aidera justement à engager de nouvelles coopérations et à de nouvelles mobilités, et nous invitons évidemment toutes les écoles françaises et allemandes qui le souhaitent à venir participer à ces rencontres à Paris, qui serviront à la fois comme un lieu de rencontre, mais aussi un lieu de partage d'expériences et une réflexion en commun sur peut-être les... à la fois les avantages, mais aussi les freins à cette coopération. Le cadre de cette coopération, zu sprechen. Wir wollen also ein bisschen mehr noch ins Detail gehen über die Strukturen, über diese ganzen verschiedenen Projektmöglichkeiten sprechen. Und eben auch nochmal über Bologne, la question linguistique, évidemment, qui est évidemment toujours un frein aussi, malgré toutes les solutions qui existent, qu'on vous a présentées. Le DAD propose aussi souvent des financements pour des cours de langue, si on veut faire avant les mobilités, les autres partenaires aussi, évidemment. Donc, c'est de tout ça dont il sera question à Paris, avec également des visites d'écoles prévues pour justement inciter à ces coopérations entre écoles d'art ou formation artistique, plus exactement. Voilà, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, je propose de finir
le webinaire et reste à vous remercier toutes et tous une nouvelle fois et vous souhaiter une agréable fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci.